Salut les acteurs de la vape, vous allez bien? Aujourd'hui, je vais vous parler de deux petites nouveautés. Donc on va parler de DripTip, de chez DripTip Art, et de Coil Connection, de ces nouveaux fils qu'il fait. Donc pour Eric, on est venu à trouver, voilà quoi, à penser à ça quoi, voilà. Et avec Pascal, c'est un peu pareil, on a discuté pas mal. Mais non, on n'a pas discuté de son dernier film. On a discuté de Coil, bien sûr. Donc on va voir ça. Je vais vous faire un peu ce que c'est là, ça, ces fils. Et puis ce fameux type spécial Rabbit. Tout de suite. Donc dans l'idée. On va parler du Stinger Head de chez Pascal. On va regarder comment ils sont, la forme qu'ils ont, tout ça. Donc on voit, comme d'habitude, hein, c'est des belles petites boîtes qui se vissent. Je ne sais pas trop comment ça va donner là, je n'ai pas pris ma cam. Donc j'espère qu'on va bien voir. Alors, est-ce qu'elle va me faire la mise au point? Ouais, bon, il y a un peu... On va écarter celui-là, ça peut être du haut transport. Bon, on reconnaît la palme de Pascal. C'est toujours aussi nickel, quoi. Donc, je vais essayer. On voit bien les fils. Je vais essayer de zoomer, peut-être. Hein. Je vais essayer de zoomer. Donc, voilà, on voit bien le fil, comment il est fait. 5 tours. En fait, voilà, c'était pareil. Hein. Alors, le Stinger Head. En fait, il s'agit de deux fils de 26 gauges en nichrome qu'on vient captainer et se passer avec du 36 gauges en nichrome 80 aussi. Et l'ensemble est reclaptené en 36 gauges pour lier les deux. C'est-à-dire, vous avez deux fils claptonnés de chaque côté avec des spirales espacées et qu'on vient reclaptonner autour encore. Donc, c'est ce qui donne un fil assez plat comme ça, comme on peut voir, avec justement un petit truc dans le milieu. Et ça doit pas être mal d'après ce qu'il me dit au niveau serveur. Donc ça, je vais le monter sur Rabbit, c'est ce que j'avais dans la tête. Et là tout de suite on va parler de DripTip. On va parler de, puisque je suis sur l'autofit juste comme ça, on va parler de DripTip. Donc à la base sur mon Rabbit j'avais ce DripTip là, ce que Eric m'a fait, hein, DripTip Art. Mais comme on peut voir, ça faisait un petit peu énorme. Voilà, il est 18, le directif est de 5,22, donc ça c'est un peu énorme. Et en discutant, il dit ouais, il faudrait un truc qui reprenne un peu l'original, quoi, celui qui est vendu avec. Et puis lui me disait ouais, c'est vrai que l'original tient pas bien et tout. Et c'est vrai que l'original tient pas. Celui-là, je vous garantis, il tient bien plus que l'original. Hein. Alors il y a une forme un peu particulière dedans, je ne sais pas si on va le voir. C'est arrondi. Oui, c'est arrondi. Et ça, c'est super agréable quand, voilà, pour la prise en bouche. Quoi. Donc bien sûr, il y a d'autres coloris, hein, mais je vous invite à aller faire un petit tour, à contacter, et puis vous verrez bien. Mais c'est au poil. Donc on va faire le petit montage du Rabbit. Et on va le cotonner et on va voir ce que ça donne, ces fameux fils. Donc on va démonter ça. Alors à la base, hein, le Rabbit, je ne sais pas si certaines personnes l'ont déjà en main, mais il est assez aisé quand même à monter. Donc là, je vais peut-être le récupérer celui-là parce que franchement, il n'est pas abîmé du tout. Je ne sais plus ce que c'était, je crois que oui, je vais le retrouver après. Donc on va prendre un petit coil, un petit coup de pince. Moi j'aime bien couper quoi, sans rien laisser des grandes pattes. J'aime peut-être un couper court beaucoup même. Mais bon, pas bien grave. Alors, la patte du haut vers la patte du haut, la patte du bas vers la patte du bas.
Bon, donc voilà, comme on peut voir, j'ai monté le Staggered. Staggered, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le dire. C'est compliqué tous ces noms hein, quand même. Faut faire, vous pouvez pas faire plus simple, fil 4 bras, t'es juste twisté, non. Staggered, bon, Staggered. Donc j'ai monté avec ce petit donc drip-tip là. Sur la SQ, pour l'instant je suis qu'à 30 watts. La résistance en impédance elle est à 0,33. Je sais pas ce qu'on va voir avec cette cam, je pense pas parce que cette cam elle est un peu. Ah si, on voit un petit peu presque. Ouais, on voit avec cette cam. Donc 0,33 avec cette cam, c'est étonnant. Je sais pas ce qui lui arrive. 30 watts, ce qui me donne à peu près 3,1 volts. Niveau vapeur, avec le jus que j'ai mis dedans, c'est un 3070. C'est un peu évident. Je vais monter quand même à 40 watts parce qu'avec le coil qu'il y avait avant, je mettais à 40 watts. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Maximum. Bon, hein, on va pas faire semblant. Voilà. Ça envoie du pâté, c'est hyper actif et au niveau saveur, c'est un truc de dingue. Ça marche vraiment bien. Bon, le coil est neuf en même temps. Je vais voir comment ça vieillit. À ce moment-là, j'en reparlerai le casse comme ça sur Facebook. Et pour l'instant, ouais, c'est vraiment pas mal. Ça me fait 3,6 volts. 3,6 volts, 40 watts. Je trouve que ça fait ressortir les arômes, mais terrible. Bon, déjà, bien sûr, c'est sur une BF, c'est un dripper. Faut pas tout mélanger non plus, hein, c'est pas un at autant. Il faudrait que j'essaye de monter un truc comme ça sur Reload, par exemple, en simple coil. Enfin, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ces nouveaux fils, par ces nouveaux fils de Cold Connection, donc si vous êtes intéressé par les Staggered de chez Cold Connection, je vous invite à prendre contact avec lui via sa page Facebook, par exemple, Facebook, les réseaux sociaux, on va le contacter, quoi. Parce qu'ils ne sont pas encore disponibles en shop, hein. C'est des... Là, c'est l'avant-première, je ne sais pas s'ils vont en produire. Je pense qu'ils vont en faire la demande, quoi, je pense. Je peux pas m'avancer plus. Toujours pareil, si vous êtes intéressé, pareil, la petite part, vous connaissez, je ne présente plus. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc je me devais de faire un petit retour. Je me devais de faire un petit retour par rapport au travail hein, de ces deux personnages. Autre chose, si vous entendez une bande son, je remercie Martial qui me fait, qui va me faire avancer, à me faire une, toutes mes petites bandes son pour mes vidéos. Je trouve ça assez cool. C'est l'intérêt à lui, hein, il fait joujou, il partage comme ça. Il s'est proposé, je lui ai demandé, il s'est proposé, c'est lui qui m'a dit je te ferai tous tes petits trucs, comme ça tu pourras changer comme tu veux. C'est sympa, je trouve. Voilà. Sur ce, quoi vous dire de plus? Bon, j'ai plein d'autres vidéos à faire, hein, mais voilà quoi. Alors je remercie fortement Pascal de Cold Connection pour l'envoi pour le test. Je remercie également Eric pour sa composition de son drip-tip, hein. Il est vraiment pas mal. Martial pour la petite bande son. Je vous remercie de m'avoir regardé, de partager, de liker, de mettre des pouces. Et surtout, n'oubliez pas. La vape, c'est vous. À bientôt.